Alors, voici un petit tuto pour vous expliquer comment transformer une photo couleur en noir et blanc. Alors, on choisit l'application dans le iPad Photo, qui est la petite fleur avec plein de couleurs. Vous allez choisir la photo que vous voulez changer. On va choisir l'artiste ici, qui est Nadia Mir. Et nous allons tout simplement cliquer en haut à droite, le mot « modifier ». Et vous allez avoir plein de paramètres pour modifier la photo. Donc, les premiers paramètres ici, c'est à gauche, le menu avec un bouton et plein de petits picots autour. Donc, ici, vous pourriez travailler l'image comme ça à la main. Mais pour aller plus vite, je vais annuler ce que je viens de faire. Pour aller plus vite, vous allez tout simplement dans les trois cercles du centre, à gauche, toujours à gauche. On voit que l'option est sélectionnée avec un petit point jaune, donc le menu de gauche. Et je vais tout simplement choisir le style que je veux. Donc, on voit dramatique chaud, dramatique froid. Je descends et les trois derniers sont en noir, noir et blanc. Donc, il y a plusieurs styles de noir et blanc. Je choisis film noir. Je vous rappelle aussi que vous pouvez modifier votre photo au niveau du cadrage ou du rognage. Et ici, bouger avec vos deux doigts et recadrer la photo. Donc, quand vous êtes satisfait de votre photo, ici, le but étant de la mettre en noir et blanc, vous faites tout simplement en haut à droite, OK, et votre photo est rendue en noir et blanc. Je vous rappelle que vous pouvez toujours revenir en arrière, vous faites modifier, et vous faites tout simplement rétablir en haut à droite et vous revenez à l'original. Voilà!